C'est l'heure de votre émission, le débrief sur Média en TV Afrique. Très heureux de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Le 27 décembre prochain, les Centrafricains seront appelés aux urnes pour élire leur futur président. Un scrutin qui se fera avec le président sortant Faustin Archange Touadéra, qui brigue un second mandat. Une joute électorale qui sera également marquée par l'absence de l'ancien président centrafricain François Bozizé, dont la candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Faut-il alors s'attendre à des mouvements de contestation dans le pays? Élément de réponse en première partie d'émission. Lentement mais sûrement, la Russie et la Chine reprennent pied depuis plusieurs années sur le sol africain en y pratiquant de massifs investissements. Et au-delà du profit économique, cette implantation permet à ces deux puissances étrangères de retrouver une place majeure dans l'échiquier géopolitique. Et pourquoi et comment l'Afrique s'est-elle retrouvée au milieu d'une guerre d'intérêts entre la Chine et la Russie? On en parle dans le plateau du débrief avec mes invités du jour, Abdou Karim Diakhaté, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis. Et juste en face de vous, Abdel Rahim Omar, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau du débrief. Merci beaucoup, monsieur Régis, tout le plaisir à l'honneur. Alors, je vous le disais dans mon introduction, la Centrafrique, le 27 décembre prochain, élection présidentielle. 18 candidats sont en lice pour la course au fauteuil présidentiel, dont le président sortant, Faustin Archange Touadéra, élu en 2016. Mais avant, évidemment, de nous intéresser à sa candidature, on va peut-être revenir sur sa gestion du pays de 2016 à 2020, 4 ans à la tête de la Centrafrique. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de la gestion du pays par Archange Touadéra? Merci Régis. Pour parler du bilan du président Faustin Archange Touadéra, nous allons d'abord évoquer en fait les conditions dans lesquelles donc, ce professeur d'université est venu au pouvoir. Il faut rappeler que le gouvernement à l'époque centrafricain était tenu avant par Catherine Samba-Panza qui a assuré la transition. Transition au cours de laquelle on a pu voir effectivement sortir certains aspects, disons, militaro-civils, si l'on peut dire, parce qu'il y a eu effectivement une force Séléka qui avait contraint l'ancien président François Bozizé. On revient en exil en 2013. À partir, François Bozizé, qui était au pouvoir depuis 2003, il a été contraint à l'exil parce qu'en fait, quand il y a eu l'accord de Libreville entre les forces donc armées, le groupe armé et ce qui constituait un peu ce qui restait du gouvernement civil, les gens ont pensé que François Bozizé n'avait pas donc tenu sa parole par rapport à un certain nombre d'engagements. C'est ce qui a fait que finalement il a été contraint donc à partir et Catherine Samba-Panza a assuré la transition. Par la suite, effectivement, Faustin Touadéra est venu au pouvoir. Certains ne pensaient pas qu'il allait véritablement faire avancer le pays, mais on s'est rendu compte effectivement qu'avec, pour parler de son bilan, il a pu réussir à assurer quand même une stabilité. Et on a pu également voir qu'au niveau, en tout cas, des agrégats économiques, il y a eu quand même un regain de croissance, même si véritablement tout n'est pas encore rose. Mais pour dire, en fait, la Centrafrique est vraiment remise sur les rails. Alors c'est peut-être un bilan positif qui nous est dressé ici par notre ami Diakhaté. Évidemment, un bilan positif, mais qui reste un petit peu entaché par certaines difficultés liées évidemment, on va dire, au social. Quand on voit qu'aujourd'hui, la fracture même sociale, après évidemment cette guerre, on va le dire, dans le pays avec les milices de la Séléka, la population qui est toujours en quête des meilleures conditions de vie, ça reste évidemment en termes de bilan pour le président sortant Archange Touadéra. Oui, Monsieur Régis, il faut dire une chose de très importante par rapport à la nature ou à la réalité même de la République centrafricaine. La République centrafricaine, à l'instar des autres pays de l'Afrique centrale, par référence au Tchad qui est un pays limitrophe, connaît les réalités semblables. Parmi ces réalités, il faut noter ce clivage d'instabilité sociale dont vous allez évoquer. Mais au-delà même, avant de pouvoir aller vers le fait de dresser un bilan, il faut le dire dans quel état
était la République centrafricaine autrefois. Je crois que du point de vue administratif et du point de vue politique, la République centrafricaine souffrait d'abord de ce qu'on appelait la rigidité ou bien la rigidité ou la mise en place d'une force militaire qui était républicaine. On n'en avait pas cela. C'est pourquoi nous avons le renforcement des autres forces civiles. Voilà pourquoi il y a la force Séléka qui a eu certaines hégémonies dans le cadre interne. Alors, qu'est-ce qu'il était du point de vue d'austérité de la part du président d'apporter à cette population? Il était question notamment de pouvoir renforcer la force pour que cette force ne soit pas simplement une force au service de la population, mais une force au service de la République. Ce n'est pas la même chose. Parce que quand on a une force au service de la République, on défend la chose publique, on défend l'intérêt du pays. Par contre, quand on est une force au service de la population, attention, on peut être lésé suivant les attentes ou les aspirations qui peuvent diverger. Et justement, c'est ce qui a d'ailleurs conduit à des guerres interethniques dans le pays. Alors, le président Faustin Archange Touadéra voulait modifier la Constitution à travers un projet de loi qui a été évidemment proposé par 110 députés à l'Assemblée nationale, mais un projet de loi qui viole la Constitution, notamment à l'article 3 qui stipule qu'aucune loi ne doit modifier la durée du mandat du président de la République, mais on se rend compte que 110 députés ont quand même proposé cette loi. Est-ce que cela sous-entend qu'ils ne connaissaient pas la loi ou c'était une stratégie pour permettre aujourd'hui à Faustin Archange Touadéra de tout simplement se maintenir au pouvoir? Bon, écoutez, je pense que quand même la Centrafrique est un pays qui revient de loin. Je pense que mon cher ami l'a évoqué. Quelque part, aussi bien les députés que, disons, les populations de manière générale ont quand même, il me semble, penser qu'il était bon de véritablement mettre bas la terre par rapport à un certain nombre de défis. Il est vrai que quelque part, certains ont pensé effectivement qu'il y avait eu une entorse par rapport donc aux règles démocratiques. Mais la Constitution, elle est claire, oui, mon justement, cher. Justement, mais le problème, c'est qu'en fait, peut-être que le président, effectivement, Faustin Archange Touadéra, a plus ou moins profité d'un vide, quelque part, parce que certes, il est vrai que c'est après coup que les gens ont pu dénoncer cela, mais disons que d'une manière générale, fort de sa majorité, parce qu'avec le mouvement des Cœurs Unis qui ont quand même une trentaine de députés, 29 députés exactement, l'Espérance qui en a eu 18 et surtout l'UNDP qui est devenu son allié de fait avec l'UNDP du président Michel Amine qui avait été donc empêché de se présenter en 2015, il a quelque part disons une forte majorité qui lui permet peut-être de dérouler. Mais vous savez comment ça se passe en Afrique, même si on dénonce ce type de pratique, il faut également se dire que véritablement au niveau de la population centrafricaine de manière générale, les gens n'ont pas tellement conscience de ces disons batailles politiques, si l'on veut. Les gens en fait sont beaucoup plus focus sur véritablement la stabilité du pays. Parce qu'on l'a dit, c'est un pays qui revient de loin avec tous les groupes armés qu'il y a eu. Il y a eu également des efforts que la communauté internationale a produit pour éventuellement amener tous les acteurs donc centrafricains à parler en tout cas autour d'un même cadre. C'est ce qui a fait que après l'accord de Libreville en 2013, il y a eu aussi un autre accord qui a été paraffé donc par tous les groupes armés, et c'est là où effectivement le président Faustin Archange Touadéra a été véritablement l'homme de la situation, parce qu'il a pu réussir à faire en sorte qu'il y ait véritablement une certaine accalmie. Tous les groupes armés se sont réunis avec lui pour donc signer, et véritablement il a pu faire un gouvernement inclusif où tout le monde est représenté. Donc quelque part, je pense que les gens n'ont pas tellement cure de ces petites manipulations, entre guillemets. D'ailleurs, un projet de loi qui a été rejeté par les juges de la Cour constitutionnelle. Vous avez évoqué un point en parlant de l'homme de la situation. Est-ce qu'aujourd'hui, Archange Touadéra, c'est l'homme de la situation? Vous pensez qu'aujourd'hui, il peut remporter ce second mandat? Voilà une question qui est sans doute très pertinente, mais avant de répondre, j'aimerais juste revenir sur la révision de la Constitution, le projet de la révision de la Constitution qui a été rejeté exactement par la Cour constitutionnelle. Vous savez, cette attitude de pouvoir réviser, moi je ne vois pas sous le volet de la culture politique, loin de là, ce n'est pas cela. C'est une réalité qu'il faut voir, c'est-à-dire qu'est-ce qui était... Moi, la question que je m'étais posée, c'est de dire qu'est-ce qui a motivé le président à vouloir modifier la Constitution pour prolonger son mandat? Était-ce justifié par une question très spécifique qui est
la question de la crise pandémique. Et c'était en ce moment que cela nous a permis de pouvoir décortiquer pour voir quelles étaient les vagues et les tendances de la pandémie pour pouvoir vouloir reporter les échéances électorales. C'était là la question fondamentale. Et malencontreusement, figurez-vous que depuis mai, la République centrafricaine, depuis mai jusqu'à aujourd'hui, la République centrafricaine n'a pas eu de pic en termes de fluctuations pandémiques, plus de 30. Plus de 30 cas confirmés par jour. Ce qui veut dire que, de manière générale et générique, il n'y a pas eu un fondement solide qui puisse justifier la modification de cette constitution. Donc vous comprenez aujourd'hui le rejet des juges de la Cour constitutionnelle. C'est tout à fait normal, parce qu'il n'y avait pas une base autre, si ce n'est des fins politiques, qui puisse permettre au président de pouvoir prolonger ce mandat et de reporter les échéances électorales, qui sont des échéances très importantes, parce qu'il faut le dire, de manière générale, hormis l'effet de la pandémie, vous savez que les échéances électorales ont été aujourd'hui un très grand rendez-vous pour le peuple en Afrique et surtout en Afrique centrale, parce que ça a toujours été un enjeu préemptoire, qu'il faut le dire. Ça, je suis tout à fait intransigeant. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas quelque part une connaissance de la... Non, la connaissance y est. Mais c'est une manière de pouvoir jouer à cette perfidie intellectuelle, de pouvoir jouer en leur faveur, de pouvoir modifier cette constitution. Oui, parce qu'on se retrouve avec 110 députés quand même. C'est énorme, à l'Assemblée nationale qui était pour, évidemment, et quelque part, la question qu'on se pose, c'est de dire, est-ce que ce n'était pas... Parce que l'on entendait qu'il y aurait ce qu'on appelle le gouvernement d'union nationale. Mmh. Est-ce que ce n'était pas dans cette entente et dans ces perspectives qu'ils ont voulu aller vers la prorogation de ce mandat? C'est une question également pertinente qu'il faudrait se poser plus tard. Mmh. Maintenant, à savoir s'il est l'homme de la situation ou non, j'aimerais dire que sa plus grande aujourd'hui, c'est qu'on retient nous de lui, c'est sa plus grande réussite par rapport à l'hégémonie, encore une fois, militaire de la force qu'il a fait d'une force républicaine. Nous avons vu, il a engagé les responsables russes avec sa coopération avec la Russie pour qu'on puisse venir, non pas simplement en termes de demande, parce que nous avons entendu son interview lorsqu'il dit que la Russie lui a fait don de 400 armements sans qu'il ne puisse donner des centimes. Mm-hmm. On a ce soutien là, militaire au niveau d'armement, on a ce soutien au niveau de la formation, parce qu'on a vu au sud les formations militaires revenues de la Russie. Alors sous l'échiquier, même si vous voulez, international, je pense qu'il y a un essor par rapport aux autres présidents qui l'ont succédé actuels et par rapport à la mobilisation ou à la stabilité de la situation de la RCA actuellement. Mm-hmm. L'homme de la situation, quels sont les atouts aujourd'hui, au-delà évidemment de ces atouts avancés dans l'argumentaire de Abdelrahim, quels sont les atouts aujourd'hui qui peuvent en tout cas faciliter un retour, on va dire facile, de notre ami Archange à la tête de la Centrafrique? Vous le savez, on a rappelé les conditions dans lesquelles le président François Bozizé a quitté le pouvoir. Par la suite, il y a eu effectivement la nomination comme chef de la transition de Michel Djotodia. Mmh. Et on a vu comment ça s'est terminé, avec surtout donc les conflits entre Séléka et Antibalaka et autres. Quand il y a eu la transition, les gens ont voulu repartir d'un bon pied. Avec quand même le président Faustin Archange Touadéra, je pense que jamais la force de l'Union africaine, la MISCA, qui par la suite a donné la MINUSCA, force onusienne qui est venue donc se greffer à cela, n'a jamais été aussi tranquille, entre guillemets. Parce qu'en fait, Faustin Archange Touadéra a pu effectivement faire en sorte que le processus de désintégration, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement donc des groupes armés se fasse. Il y a eu véritablement une accalmie, on l'a dit, et au plan social, même si quelque part il y a encore toujours des cendres quelque part qui réapparaissent, il faut dire qu'il a plus ou moins pacifié le pays. Maintenant, les atouts au plan politique, c'est parce qu'il y a là effectivement une coalition qui est assez forte. C'est vrai qu'il a son parti, le mouvement des Cœurs Unis, mais il y a également l'apport d'autres acteurs politiques, je l'ai rappelé tout à l'heure, comme l'UNDP, qui était arrivé, un parti qui était arrivé troisième lors de la dernière présidentielle. Et ce parti, quand même, qui est véritablement bien représenté au niveau de la Centrafrique, quand même, peut lui valoir, de mon point de vue, en tout cas, un bon score. Bon, mais sinon, également, je pense que même ses pairs de la sous-région, que ce soit le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun ou autre, quand même, sont satisfaits plus ou moins de sa présence. Parce que Faustin Archange Touadéra, il a quand même surpris plus d'un par, quelque part, son calme, il faut le dire. Exactement. C'est quelqu'un qui, véritablement, ne fait pas trop de vagues.
Et cela, pour un homme politique, c'est quelque chose qui peut être déterminant. En parlant d'un autre homme politique, alors la Cour constitutionnelle a tranché, la présidentielle du 27 décembre prochain, elle se fera sans l'ancien président centrafricain François Bozizé, dossier de candidature rejeté. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette invalidation de la Cour constitutionnelle? Alors, du point de vue général, hein, s'il me faut l'analyser du point de vue, vous savez, ce cadre de rétorque, sinon ce cadre de pouvoir, qui est François Bozizé? Pourquoi François Bozizé à cette ère? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui la candidature de François Bozizé? Ce sont des questions qui étaient très importantes, qu'il fallait les connaître. Et est-ce que cette candidature pourrait avoir une valeur du point de vue de la stabilité à encourir actuellement, du point de vue de la stabilité politique à encourir, du point de vue de l'administration de la République centrafricaine actuellement. Oui, parce que c'est la question qu'on se pose, c'est exactement. De savoir si cette candidature va venir faciliter, on va dire, le rassemblement hein, du peuple centrafricain ou tout simplement apporter une sorte de fracture sociale. Certainement, une fracture à bien des égards, une fracture du point de vue politique, une fracture du point de vue social, une fracture du point de vue de la stabilité à tous les coups. Vous savez, moi je crois que quand je vois par exemple... Moi, ce n'est pas un soutien que j'apporte au président Touadéra, mais je pense que même du point de vue même des mandats, il faut être intransigeant à un moment donné. Mmh. Ça veut dire qu'à une personne qui a eu à stabiliser une situation quelconque sociale, est-ce que cette personne devrait avoir en face d'elle des personnes qui peuvent alléger ou bien qui peuvent penser à une prépondérance économique sociale d'un pays ou bien il faut voir juste des fins politiques pour pouvoir morceler et jouer le joug de la politique. Voici les questions qu'il faut se les poser. Moi, je suis totalement d'accord de dire que non, si son profil devrait répondre à des attentes spécifiques escomptées, on est d'accord. Mais cela, en aucun cas, ne favorise à l'heure d'aujourd'hui la prépondérance de la République centrafricaine. Mais est-ce que quelque part, là, le dossier de candidature de François Bozizé, moi j'ai l'impression que peut-être, hein, et vous allez me dire, vous donner votre point de vue, est-ce que la Cour constitutionnelle n'est pas allée un peu trop vite? Parce que n'oublions pas que François Bozizé, il n'a pas encore été jugé. Il jouit en tout cas de cette forme de présomption d'innocence. Il jouit de ses droits civiques. Donc évidemment, il n'y a rien qui aujourd'hui empêche la validation de cette candidature, même si la Cour constitutionnelle nous a servi l'argument quelqu'un, en tout cas, qui ne rentrait pas dans le cadre de... On parlait de pacte, hein, de bonne moralité. Il faut commencer quand même par reconnaître que son dossier de candidature a été invalidé avec 4 autres dossiers. Mm-hmm. Donc il n'est pas... Oui, il y avait 22, au départ. Très bien. Mm-hmm. Donc sinon, en fait, l'homme François Bozizé pose déjà problème. Parce qu'en fait, je ne dis pas que c'est de cela que donc repose son invalidation, mais il est clair que quelque part, certains le voient comme un homme du passé. En fait, ce serait peut-être dangereux de revenir vers cette période donc d'incertitude, parce qu'il est vrai qu'en 2003 et jusqu'en 2009-2010, il a pu quand même mettre en place quelque chose. Effectivement, de ce point de vue-là, on ne peut pas lui reprocher d'avoir essayé de bien faire. Mais entre 2010 et 2012, jusqu'au déclenchement donc du conflit, jusqu'au moment où donc la force Séléka est venue du Nord-Est pour venir prendre le pouvoir à Bangui, véritablement, il y a eu beaucoup de massacres, il faut le dire. Il y a eu vraiment beaucoup de non-droits de ce point de vue-là. Maintenant, certains pensent qu'effectivement, que c'est un homme qui a quand même un passé assez lourd à gérer déjà. Il y a également un passif, du point de vue aussi de la gestion des hommes et autres. Bon, est-ce qu'il n'y a pas eu également en son temps du népotisme ou... Oui, parce que n'oublions pas aussi les plaintes. Hein, il est poursuivi par la Cour pénale internationale, par l'ONU donc, également. Voilà, véritablement. Et puis la communauté internationale, de toute façon, ne serait pas tellement, disons, dans les règles de pouvoir le laisser véritablement dérouler comme il l'aurait voulu. Maintenant, il est vrai qu'effectivement, c'est le peuple centrafricain quand même à qui il revient, véritablement de pouvoir sanctionner un homme politique, quel qu'il soit. Mmh. Mais disons qu'en fait, moi je considère que cette décision de la Cour constitutionnelle, même si quelque part elle peut être discutable à un certain niveau, quand même ne vient pas véritablement créer un tsunami. Mmh. De toute façon, certains pensent que véritablement c'est mieux comme ça.
Vous partagez aussi cet avis ? Partagé à bien des égards. C'est pourquoi j'ai dit qu'au-delà de voir l'aspect purement politique, il faut d'abord s'interroger sur le cadre social et l'impact que cette candidature pourrait avoir dans la vie sociale des Centrafricains. C'est pourquoi c'est un avis qui est partagé à bien des égards. Et je crois qu'il faut le dire que, non pas simplement que la Cour constitutionnelle ne se doit pas de se figer tout simplement aux réalités ou aux preuves textuelles. La Cour constitutionnelle est mue également par une obligation morale de pouvoir songer à une stabilité politique durable et une stabilité sociale également durable. Donc cette candidature qui a été rejetée devrait servir même des leçons pour bon nombre de pays africains et pour des anciens dirigeants qui aimeraient bel et bien revenir. Alors, une seule femme candidate parmi ces hommes politiques pour ce scrutin présidentiel, il s'agit évidemment, on a parlé de Catherine Samba Panza. Quelle ambition anime l'ancienne présidente de la transition selon vous? Vous savez, j'ai une réticence par rapport à sa candidature. Parce que Catherine Samba Panza, il faut connaître une chose, ce qu'on a retenu de sa candidature, enfin de sa gestion de la transition. Alors c'est une gestion qui était très discutable. À l'époque, on parlait déjà de combien de taux de la corruption. Il faut évoquer la corruption. Il faut évoquer son bilan. Son bilan n'était pas aussi salutaire qu'il faut le dire. Moi, la corruption, nous l'avons vu. La corruption dans l'administration, la lésion dans le cadre des administrateurs. Mais il y a tellement de faits qu'il faut pouvoir les mettre en exergue. Non pas parce qu'on est misogyne, mais il faut dire une chose, que par rapport à cette réalité, moi, je crois que sa transition a été précaire et éphémère. Aujourd'hui, le pays est prêt à renouveler sa confiance à Catherine Samba Panza? Moi, je ne pense pas. Foncièrement, je ne pense pas. Parce que je crois que s'il faut me demander de pouvoir choisir entre Catherine et le président actuel, moi, j'aurais choisi le président actuel, il faut le dire. Parce que lui, ses bilans, c'est ponctuel, c'est réel. Pas par rapport à ce qu'on a retenu. Nous, ce qu'on a retenu, et puis quand je le dis nous, parce que je fais allusion au Tchad qui a senti de manière sensible la transition de Catherine Samba, et je vous dis que cette transition n'était pas, quand bien que mal, salutaire à notre égard. Donc je le dis objectivement parlant, quand on regarde le bilan, quand on regarde les volets, on se dit que c'est pas une bonne prémonition, c'est pas de bon augure. Alors, près de trois quarts du territoire centrafricain reste sous le contrôle des groupes armés. Quels sont les enjeux de cette élection présidentielle, au-delà évidemment de la question sécuritaire? Non, vous l'avez dit, effectivement, la Centrafrique, c'est quand même 623 000 km². Vraiment un pays plus étendu que la France. Deux tiers donc du territoire, pratiquement 400 000 km², donc tenu par des groupes armés. La priorité, effectivement, c'est la pacification du pays. Et de ce point de vue-là, je pense que ce qui est en train d'être fait doit être encouragé. Le président Faustin Touadéra a pu, grâce effectivement au concours donc, de la communauté internationale, on l'a dit, déjà des pays de la sous-région, de la force de l'Union africaine et surtout également de la force des Nations unies, la MINUSCA, il a pu réussir un peu à pacifier quelque part le pays, même si tout n'est pas encore, disons, au point. Maintenant, il faut aller encore davantage dans cette dynamique-là. Il faut le dire, la Centrafrique est un pays qui revient de très loin. Il faut faire en sorte que cette stabilité soit davantage préservée. Évidemment, on parle de stabilité, Abdel Rahim. Alors, le contrôle des ressources de l'État reste un enjeu, hein, en tout cas, des conflits dans le pays. On parle du diamant. N'oublions pas que la Centrafrique, ça reste l'un des pays vraiment producteurs de diamants. Comment y remédier aujourd'hui? Vous savez que le diamant, quand on parle du diamant, il faut dire que la République centrafricaine aujourd'hui en est à sa troisième guerre civile. C'est ce qu'on ne dit pas. Alors c'est pourquoi quand nous sommes appelés à pouvoir faire une étude comparative, nous disons que les réalités de la République centrafricaine sont semblables aux réalités du Tchad. Pourquoi? Parce que l'ensemble des tensions qui ont toujours existé ou précédé au niveau de Centrafrique, tout comme au Tchad, étaient dues à la gestion des ressources minières et de ressources naturelles, de l'exploitation par les résidents ou les citoyens. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une patrimonialisation des économies internes. Ça veut dire qu'il y a toujours cet ancrage de dire que tel bien, telle richesse naturelle, parce que cette richesse se trouve au niveau de notre territoire, cette richesse est quelque part notre priorité, notre patrimoine. Alors que ces richesses, ce sont des richesses naturelles d'un pays, pas d'une localité. Alors, ces enjeux sont des enjeux fondamentaux du moins, et s'il faut aller vers une reconsidération pour l'apanage de ce qu'on appelle une paix civile, cela ne peut être que par le concours d'une sensibilisation qui prend en considération l'idée de dire que la richesse, elle est naturelle d'un pays, elle n'est pas
la richesse d'une localité. Et en parlant justement de ça, parce qu'il y a un gros paradoxe aujourd'hui, on a parlé de la Centrafrique qui est l'un des pays producteurs de diamants, mais il y a un gros paradoxe aussi qu'on assiste dans le pays, c'est, on va dire, pays riche en termes de ressources naturelles, mais peuple pauvre. Comment comprendre aujourd'hui cette forme d'inégalité en termes de ressources naturelles? Mais bon, il faut d'abord reconnaître que la Centrafrique est aussi bien otage de sa géographie que de son histoire. Mm-hmm. C'est un pays qui est enclavé, bon, entouré par donc, plusieurs pays de l'Afrique centrale, et qui également a connu une évolution quand même historique, disons politique, assez particulière. On l'a rappelé, bon, reprenons un peu vers les années 80 avec l'ancien empereur Bokassa et l'épisode des diamants et tout cela, pour mm-hmm. dire un peu comment effectivement cette patrimonialisation du pouvoir a commencé très tôt. Il y a eu par la suite d'autres initiatives, David Dacko, Kolingba, Ange-Félix Patassé, mais il n'y a eu jamais effectivement de mutation, il n'y a eu jamais véritablement de considération même du capital humain. Aussi bien aussi au niveau des acteurs politiques, il n'y a jamais eu en fait de véritable programme fondé sur un idéal. Bon, j'ai vu certains partis au niveau de la Centrafrique s'initier vers, en tout cas, des programmes qui sont attractifs. J'ai parlé de l'UNDP, j'aime beaucoup rappeler, j'ai vu que ce parti-là allait un peu dans le sens de la modernité, qui prône la révolution verte. Mmh. Il y a le parti du président Faustin Touadéra, les Cœurs Unis également, qui parlent un peu de faire en sorte qu'il y ait cette pacification. Mais le problème, bon, en fait, le problème économique touche également l'aspect humain, carrément. Plus de 2 millions de Centrafricains vivent au-dessous du seuil de pauvreté, pour une population de 5 millions, pratiquement. La moitié de la population. Quelque part, il y a un problème. Et cela, effectivement, c'est l'aspect sécuritaire qui fait en sorte qu'il y a un problème pour régler tout cela. Maintenant, la Centrafrique également a des voisins quand même encombrants. On en parlait du Soudan. Il y a également le Tchad au nord, où véritablement, même s'il y a, c'est vrai, une évolution assez positive, il faut le dire, la frontière entre la Centrafrique et le Tchad au niveau de Sido, que je connais assez bien, et vers le Soudan également. En tout cas, ce sont des défis majeurs qui attendent le futur président. Absolument. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie du débrief. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief sur Médian TV. Quelles sont aujourd'hui les relations, Abdelrahim, entre la Russie, la Chine, ces relations qu'entretiennent ces deux pays avec le continent africain? Bien, merci beaucoup, M. Régis. Moi, ce qu'il faut concevoir, il faut dire que ces deux pays, sous le volet géopolitique, sous le volet de la relation avec l'Afrique, ont une similitude à bien des égards. Lorsqu'on interroge l'histoire des relations entre la Russie et l'Afrique du moins, et la coopération entre la Chine et l'Afrique, figurez-vous qu'en termes d'ancienneté, la Chine a posé les premiers jalons de sa visite et de sa coopération internationale dans les années 1418. Mmh. Voici l'ancienneté. Lorsque l'empereur il est allé vers ce qu'on a appelé la découverte du Swahili, et puis voilà, la Russie, à l'époque de la fédération de l'Union République socialiste et soviétique, la Russie a également prôné ce qu'on appelle une coopération sans équivoque avec le continent africain. Lorsque la Russie a essayé de propager ce qu'on appelle le socialisme dans le continent africain, lorsque ces États, la Russie a essayé d'apporter son soutien au Congrès africain national pour la lutte, la libération, pour également la socialité. Voici un aspect très important au niveau de l'historicité. La Chine, à son époque, a essayé également, non pas simplement parce qu'elle a eu une première visite dans les années 1418, mais au-delà, progressivement, la Chine a eu également à implanter des bases très solides dans sa philosophie. La Chine était la première à pouvoir mettre en place ce qu'on appelle l'idéologie soft power dans la relation entre le continent. C'est très important. La Chine, mais dans le passé, je vais vous faire une très grande démonstration qui prouve à bien des égards pourquoi est-ce qu'il y a une similitude entre la Chine et la Russie par rapport à leur relation avec le continent. Qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie a mis en place, la Chine a mis ce qu'on appelle la radio Pékin. Cette radio Pékin était une radio de valorisation des cultures. C'était une manière de pouvoir mettre ses jalons, avoir une prépondérance
au niveau continental sans en tenir compte d'une seule condition, ce que la Chine a appelé plus tard une coopération avec les cinq NEPA. Mmh. Voilà ce qu'il faut considérer. La Chine a été l'une des nations qui a essayé de vouloir aider avec un esprit de solidarité et de développement le continent. On connaît la mutation, on connaît les problèmes que la Russie a eu avec les autres puissances. Quand je prends les autres puissances colonisatrices, à l'exemple de la France, les problèmes lorsque la Russie a essayé de s'immiscer dans les affaires internes. Qu'est-ce que la Russie a essayé de faire? La Russie, avant de pouvoir parler même de l'indépendance et tout ça, la Russie faisait partie des pays qui ont voté contre l'impérialisme parce que la Russie a interprété le continent de ces pays colonisateurs comme étant un acte ou bien un refus ou bien la révolution des peuples africains comme étant une révolte ou bien la révolution à ce qu'on appelle l'impérialisme mondial. Mmh. Voici un peu cette idéologie de soutien qu'autant la Russie et la Chine ont essayé de mettre en place sans pour autant s'immiscer dans la décision, le choix politique des États. C'est vrai que la Chine est assez quand même un petit peu silencieuse hein, sur les questions de politique, hein, comme notre ami Abdelrahim vient de le souligner. Alors évidemment, on est revenu un peu sur l'histoire, mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier le fait que la Russie et la Chine s'intéressent autant au continent africain? Oui, mais voyez-vous, parce qu'en fait, j'adhère vraiment au développement de mon ami Abdelrahim. Il faut dire qu'en fait, l'Afrique est devenue un enjeu de premier ordre. Il est évident que les gens ont toujours pensé que l'Afrique était un peu la chasse gardée, soit de l'Occident, d'une manière générale, de la France, de l'Union européenne ou même des États-Unis. Mais effectivement, il a rappelé que la Chine et la Russie, effectivement, ont véritablement des relations assez privilégiées avec l'Afrique. Bon, on a vu ces dernières années commencer à reprendre en fait la main. On a vu ces puissances-là revenir en force, d'autant plus que quelque part on a senti qu'avec la France ou les États-Unis par exemple, il y avait véritablement souvent des tensions. Mmh. On l'a vu en France, la France est beaucoup plus occupée à régler des problèmes de sécurité au Sahel et autres. Mmh. C'est d'ailleurs ce qui a permis le rapprochement de certains pays africains avec la Russie. Exactement. Quand on voit aujourd'hui la Guinée exactement. Qui se rapproche un petit peu. Et dans le même temps, la Chine en fait, vous l'avez dit, ne s'occupe pas en fait des problèmes de démocratie ou autre. Elle ne demande pas beaucoup, elle vient véritablement chercher des parts de marché, faire en sorte que ces entreprises puissent avoir donc pied en Afrique. Elle est très présente dans le secteur des infrastructures, on l'a vu, et de cette manière, elle a pu quand même quelque part remplacer donc la France et autres à beaucoup d'égards. Maintenant, si l'on prend de manière plus pratique les deux pays en fait, ce qu'ils ont, les deux puissances en fait, ce qu'elles ont de singulier par rapport aux autres, la Chine, on l'a vu, a pu donner en 2019 pour pratiquement, quand on regarde la balance des échanges, autour de 208 milliards de dollars américains. Dans le même temps, les États-Unis étaient très loin, ils n'étaient même pas à 50 milliards. On a vu que la Russie, c'est vrai, a un peu de retard par rapport à la Chine, mais en termes d'investissement également, il y a un effort au niveau de la Russie. On l'a vu lors du dernier sommet de Sochi, où effectivement, il y a eu plein d'engagements. Mais il y a eu la Chine qui a fait un engagement de pratiquement 60 milliards de dollars dans un sommet du FOCAC à Beijing pour dire en fait comment la Chine comptait véritablement peser d'un poids important en Afrique. Et quelque part, ces entreprises sont en train de se développer, malgré un peu la Turquie qui commence à sortir le bout du nez. Et véritablement, la Chine est partie pour véritablement avoir beaucoup de pays africains avec elle. Est-ce que l'Afrique profite-t-elle vraiment, tire vraiment profit, on va dire, de cette implantation-là, de ces deux puissances-là sur le sol africain? Je vais prendre l'exemple d'abord, pour répondre à cette question, l'exemple de la RCA, la République centrafricaine, que nous avons vu. Les données sont exactes. Par exemple, par rapport au soutien, un soutien militaire, sous le cadre de la formation, sous le cadre de l'assistance, la Russie, au cours du sommet, a essayé d'annuler également ses dettes. Mais quand on dit la Russie essaie de revenir, il faut dire pourquoi on dit que la Russie essaie de revenir.
La Russie, autrefois, on avait dit, avant l'explosion de l'URSS, la Russie avait eu des liens étroits avec le continent. Pourquoi on en parle maintenant? C'est parce qu'en 1990, on a atteint ce qu'on appelle le perestroïka soviétique. Exactement, soviétique. Quand on avait atteint ce qu'on appelle cette donnée économique qui demandait, par exemple, aux États de pouvoir rembourser les dettes qui étaient largement conçues, tout ça, à ce moment, il y a eu une fragilisation de ces rapports avec la famille. Mais aujourd'hui, la Russie a essayé. C'est pourquoi j'ai dit, dans la propagande même de soft power, qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie a essayé d'organiser tout récemment, c'est vrai, il faut le prendre, mais c'est surtout le volet culturel qu'il faut prendre. L'organisation, par exemple, de Miss, par exemple, ça c'est sous le volet culturel, ça a valu la prépondérance de la Russie, au-delà même de l'aspect d'armement et tout ça. Et donc, je crois que de manière ponctuelle, rien qu'à prendre la RCA aujourd'hui par rapport à sa situation exacte, l'on voit également... Quel est l'impact direct du don ou du soutien de la Russie par rapport à cela? Quant à la Chine maintenant, la Chine a essayé également d'apporter ce qu'on appelle, on est dans le cadre de la révolution technologique, industrielle et de la communication. Et n'oubliez pas que sous le volet de machines artificielles, ils sont très avancés. Alors la Chine a essayé de donner des données très importantes par rapport au continent africain. On en compte parmi les 20 milliards. Voilà un peu les données qui sont ponctuelles et qui favorisent exactement le développement du continent. Donc, il est très salutaire de saluer ces coopérations, sinon africaines, sinon avec la Russie, pour dire que ces coopérations n'ont rien à voir de loin comme de près avec la coopération France-Afrique. Ça n'a rien à voir. Justement, et en parlant de ça, parce que vous l'avez également souligné, Diarraté, dans votre argumentaire, on a parlé évidemment de cette France qui semble un petit peu en retrait, et la Russie et la Chine qui s'installent, mais vraiment sur le continent. Quel est l'impact derrière pour la France de voir évidemment, on va dire, ses parts de marché envahies par ces deux puissances-là? Bon, écoutez, je pense que l'exemple le plus qui peut illustrer cela, il faudrait revoir la transition au Mali. Quand il y a eu le coup d'État de la junte, on a vu que dans les premiers moments de flottement, les gens ont pensé qu'il y avait effectivement la Russie derrière. Parce qu'on a vu que les éléments les plus importants de la junte avaient soit fait une formation en Russie, et on a même pu voir effectivement l'ambassadeur de Russie être reçu au niveau donc de Bamako. Tout ça pour vous dire qu'il y a un changement de paradigme par rapport à beaucoup de choses. Mais bon, il est vrai que la France quand même est un allié naturel de sa, disons, de l'Afrique quelque part, parce que on a des liens assez privilégiés avec la France, même si par ailleurs, ce sont quand même des liens qui n'entrent pas en fait dans ce qu'on appelle le gagnant-gagnant, véritablement, donc des liens distendus, où effectivement la France a véritablement la part belle. Maintenant, il y a effectivement une évolution qui fait que la France forcément va, disons, plus ou moins souffrir de cela. Quelque part, les Russes, prenons le cas de la Guinée, où ils sont présents dans le secteur minier et autres, ils vont prendre des parts de marché aux États-Unis ou à la Chine. La France est pratiquement exclue du cadre. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui ces dirigeants africains, on va dire, entre guillemets, à tourner le dos à la France et s'intéresser de plus en plus à la Chine et à la Russie? Vous avez parlé évidemment de l'aide militaire, mais qu'est-ce qui pousse concrètement aujourd'hui ces pays-là à se rapprocher de ces puissances-là? Moi, je crois que la France est prise en otage par sa propre idéologie. Je m'explique. La France, dans les années 2009, toutes les fois où il a été question de parler de l'Afrique, l'Afrique était considérée comme étant un état, un continent de danger, un continent pauvre, un continent... On a toujours dressé un tableau noir. Ouais. Par contre, quand on a vu la Russie, vous avez vu, autant la Russie et la Chine, qu'est-ce que la Russie et la Chine essaient de faire? La Russie et la Chine essaient d'apporter des réponses ponctuelles à ce dénigrement. Je vois, là, nous avons vu la Chine qui a essayé d'apporter ce qu'on appelle l'agro-industrialisation. La Chine est dans la révolution technologique industrielle. La Chine essaie de faire des coopérations. Ça nous rappelle un fait très historique, par exemple, qui est la construction du chemin de fer en Tanzanie. Lorsque Jules Nyerere, l'ancien président, avait demandé, par exemple, autant à la France, il avait demandé autant à l'ONU de pouvoir financer la construction du chemin de fer, mais ces États ont répondu par la négation. Il n'y avait eu que la Chine, malgré que son apport était modeste, avait répondu présent. Donc c'est pour dire que la relation même du point de vue économique, l'intention de la coopération pour le développement est plus
franche par rapport à l'intention de la France. La France qui essaie de jouer toujours le rôle de monopole, du rôle. Moi, je pense que la France, jusqu'à là, ne parvient pas à jouer un cadre d'orientation pour, pour l'Afrique. La France essaie de jouer le rôle toujours du père paternaliste pour pouvoir, à chaque fois, du gendarme vis-à-vis. Voilà un peu ce qui est lamentable, il faut souligner. Et justement, sur le plan économique, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de partenariat équitable quand on sait que l'Afrique, c'est plusieurs ressources naturelles, mais on bloque encore, on va le dire ainsi, sur le plan de la transformation, et ces puissances-là nous transforment pardon, nos produits qu'ils nous revendent. Est-ce qu'on peut parler de partenariat équitable? Non, en fait, on ne peut effectivement pas parler de partenariat gagnant, que ce soit la France, la Russie ou la Chine, c'est toujours le même discours qui revient. Ouais, parce qu'on est en droit de se demander aujourd'hui à qui profite, évidemment. Non, en réalité, bon, l'Afrique n'y gagne pas beaucoup, il faut le reconnaître. Il y a effectivement des initiatives intéressantes, on l'a rappelé, avec la Chine, avec le FOCAC qui se tient. Les sommets donc, entre la Chine et les pays africains, où il y a effectivement beaucoup d'engagement de la Chine, beaucoup de bonne volonté. On a vu également ce qui a été fait avec la Russie lors du dernier sommet de Sochi. Mm-hmm. Mais toujours est-il que ces puissances sont d'abord intéressées par leurs propres intérêts. Mm. Si la Russie vient en Afrique pour véritablement évoluer dans le secteur du pétrole, ou bien dans le secteur minier ou autre, la Chine aussi de la même façon, c'est parce qu'effectivement, ces pays, ces puissances savent que l'Afrique est véritablement un continent qui recèle donc de toutes ses richesses et qui a besoin effectivement d'être davantage, disons, aidé, entre guillemets, non pas l'aide qu'on a l'habitude de voir au niveau de l'Union européenne ou de la France, mais un partenariat qui ne serait pas, de mon point de vue, gagnant-gagnant, mais un partenariat, disons, franc, plus ou moins, où effectivement chaque partie pourra tirer le meilleur. Maintenant, on l'a dit, il revient aux États africains de s'organiser, sinon, surtout au niveau de l'Union africaine. Et de ce point de vue-là, la ZLECAF, la zone de libre-échange, peut constituer une excellente opportunité de s'organiser pour davantage, en fait, capter toutes donc, les possibilités de développement et faire en sorte qu'au niveau donc, en interne, les Africains puissent déjà faire en sorte que nos échanges puissent aller dans le bon sens pour ensuite maintenant s'ouvrir vers l'extérieur. Et évidemment, oui, allez-y. C'est un avis que je ne partagerai pas, vous savez, parce que eh bien, je vais théoriser. Ce n'est pas vers l'idéal, mais c'est pour concevoir une chose que l'on a toujours conçu que la relation internationale, sinon le commerce international, pose ses jalons sur ce qu'on appelle la guerre des intérêts. Ça, c'est ce qui caractérise même le socle de toute coopération internationale. Maintenant, lorsqu'on parle de coopération gagnant-gagnant, est-ce qu'on est en soi de dire qu'on voit les mêmes intérêts que l'autre gagne? Nous avons également les mêmes intérêts. Est-ce qu'on va gagner les mêmes intérêts? Est-ce que les intérêts seront égaux? Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Parce que l'idée de dire, quoi, lorsqu'on est en coopération, on se dit qu'on a une disette qu'on cherche à remplir. L'autre voit également un intérêt à une disette qu'il cherche à remplir. Maintenant, il faut être en mesure de pouvoir, à travers cette coopération, de remplir ou de satisfaire à nos insuffisances. Et vice-versa. À ce moment, on parle de gagnant-gagnant. Moi, je ne vois pas. Parce qu'on ne peut pas, l'égalité juridique ne devrait pas être le reflet de l'égalité économique, on ne peut pas. Lorsqu'on voit un État prépondérant, un État qui ne l'est pas, on ne peut pas parler de gagnant-gagnant sur le point de l'égalité mathématique, non. Mais sur le val de l'impact économique, c'est ça ce qui est important de le voir. Et moi je crois qu'une coopération qui se doit d'être équitable, gagnant-gagnante, c'est une coopération qui prend en considération le niveau de vie. Par exemple, un impact, apporter des réponses figées à une insuffisance figée. Lorsqu'on prend l'exemple d'un pays comme l'Afrique du centrale, je prends l'exemple du Tchad, vous qui avez connu le Tchad, monsieur, vous allez dire autant que moi, monsieur Abdelkarim, que le Tchad au niveau des infrastructures de l'autre fois, dans les années 2000, n'est pas le Tchad d'aujourd'hui. Et le Tchad a renforcé ces dernières années dans le cadre de la construction des infrastructures des voies et routières par qui? Par des compagnies chinoises. Alors, moi, quand on me demande, est-ce qu'il y a quelque part à ce niveau de, une coopération gagnant-gagnant, je dirais oui, même si en termes des dividendes, même si le marché qu'on nous propose, c'est un marché peut-être qui est plus ou moins alléchant, oui, mais
Ok, d'accord, on perd à ce niveau. Mais est-ce qu'au niveau des infrastructures, le Tchad n'a pas changé? Vous me l'avez dit avant le début de l'émission que le Tchad d'autrefois n'est pas le Tchad d'aujourd'hui. Alors, moi, je dirais, il y a ce partenariat gagnant-gagnant. Mais il ne faut pas voir le partenariat gagnant-gagnant sous l'échiquier d'une égalité mathématique. Ça ne l'est pas et ça ne sera jamais. Aucune coopération, par essence, même entre les grandes puissances, n'est gagnante-gagnante au sens strict et mathématique. Vous le rejoignez en tout cas sur ce point. Je pense qu'on dit la même chose. L'impact. Mais bien sûr, il a parfaitement raison. C'est vrai, mais bon, en fait, moi, c'est par rapport surtout à ce que nos États africains perdent en ne faisant pas cette union, cette dynamique qui pouvait effectivement combler beaucoup de retard, en fait. Parce que si vous voulez, il a parfaitement raison de mettre le paradigme sous des États, des puissances qui ont suffisamment de moyens et quelque part nous allons nous suffire de ce qu'il nous faut pour avancer. Mais je pense que l'Afrique a suffisamment de ressources, l'Afrique a suffisamment de capital humain, j'aime bien ce terme-là, de ressources humaines capables véritablement d'impulser le développement. Oui, parce que l'Afrique, c'est une jeunesse, hein, on va dire, évidemment, très très motivée à pouvoir redonner, on va dire ainsi, ces lettres de noblesse à ce magnifique continent qui est le nôtre. Vous avez évidemment parler également de ce sommet entre la Russie et l'Afrique, hein, organisé l'an dernier. Un an après, quel bilan tirez-vous de cette rencontre, de ce sommet? Alors ce sommet qui prenait deux choses. On avait vu avant le début même de ce sommet qu'il y avait ce que la Russie a essayé de mettre en exergue pour les pays africains. Vous savez, les pays africains en général sont en proie à tout ce qu'il y a, l'armement. Et la Russie a très bien joué sur le volet géopolitique. Mmh. Ça veut dire, avant le début, on a vu les Kalachnikovs qu'ils ont mis en exergue en termes de démonstration pour dire à ces pays-là, voici ce qu'on vous propose et c'est ce dont vous avez besoin, avant même de débuter. Maintenant, par contre, il faut voir en fonction des États qui ont eu à prononcer leur doléance spécifiquement. Le Soudan, qui a voulu à ce qu'il y ait, par exemple, de cesser le feu pour aller vers ce qu'on appelle une réconciliation sociale, une réconciliation avec les forces militaires. C'était des données. Chaque pays essayait de montrer ses doléances en disant voici mes attentes, voici ce que j'aimerais. Et c'était à l'issue de cela qu'on avait vu la Russie qui avait dit écoutez, moi je laisse 20 à 30 milliards par exemple de dettes. Je ne suis plus dans l'optique d'autrefois qui consistait à dire écoutez, remboursez-nous nos dettes, mais on dit on laisse les dettes qui ne sont pas payées. Donc je crois, et les procédures et les mesures sont prises en considération pour aller vers ce dynamisme et faire cette solution escomptée. Voilà moi ce que je vois, et je crois que c'est une coopération qui est prometteuse. Hein. Vous savez qu'il y a également ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire les pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et le Sud-Africain, qui essayaient également jusqu'à sa dernière conférence qui s'est tenue en mars 2013, a essayé à toujours jalonner et puis les concours des moyens pour aller vers l'effervescence de ce continent. Donc je crois qu'on dresser le même bilan par rapport à ce sommet-là. Oui, sauf qu'il y a, de mon point de vue, un retard à l'allumage, parce que quelque part les Russes sont lents à se décider. C'est ce que je vois en fait. Il y a eu de très bonnes décisions à Sochi, mais bon, pour le moment, c'est vrai qu'il y a eu effectivement la crise sanitaire en 2020 qui n'a peut-être pas permis de mettre en œuvre donc tout ce qui a été promis. Mais bon, il faut quand même attendre de voir tous ces engagements donc être suivis d'effet. Justement, avec l'Afrique, la Russie, la Chine, va-t-on assister à une nouvelle multipolarisation des relations internationales? Multipolarisation, je ne sais pas s'il faut parler de la polarisation d'avoir en tant que tel avant d'aller dans la multi. Parce que non, c'est très important. Et puis ce que vous dites, c'est très. Parce que lorsqu'on voit et puis cette coopération triangulaire de manière, on se dit oui, d'un côté comme de l'autre, il y a une idéologie, il y a les réponses figées à une attente, il y a des aspirations communes qui sont. Et il n'y a pas pour la première fois dans ces trois. Je dis, dans les trois liens qui rient, ces trois, enfin, qu'il faut parler du continent, tout comme de ces deux nations, il n'y a pas l'esprit de dénigrement. Il n'y a pas ce qu'on appelait, c'est ce qui existait autrefois avec la France mère, c'est-à-dire le conditionnement de l'aide publique pour le développement. La France l'a fait, le discours de Bolle des années 90, je vous rappelle, a fait cela. Ça veut dire que soit l'institutionnalisation de la démocratie, sinon on ne vous donne pas des aides publiques pour le développement. On n'a pas cela avec la Chine qui a même maintenu dans son, ce qu'on n'a pas parlé de cela, mais il faut dire la coopération de Bandung de 1955. C'est cette coopération qui a essayé, c'est surtout ce congrès qui a essayé d'instituer
situer les jalons, de dire voici la spécificité de la Chine qui se déroge de loin des autres continents, des autres puissances qui puissent vous le dire. À ce moment, oui, il y a nettement cette polarisation qui diffère du long à large des autres coopérations qui ont existé depuis longtemps de manière traditionnelle. C'est essayer d'aller dans ce sens-là, de faire en sorte qu'il y ait une sorte, on va dire, de partenariat, en ce qui concerne évidemment la Russie et la Chine sur le continent, d'une sorte de concurrence saine où on va évidemment inclure le continent africain. Absolument, je pense que c'est une rivalité qui est toute saine. Et de ce point de vue-là, ces deux puissances se rejoignent dans la mesure où, quelque part, elles ont effectivement des ambitions très en déphasage avec ce qu'on voit avec la France et l'Union européenne de manière générale. Mmh. Autant la France s'intéresse à comment donc les États africains gèrent véritablement leur gouvernance. Vous l'avez souligné, ce rôle de gendarme. Absolument, ce rôle de gendarme, dans la mesure où effectivement des entreprises françaises sont en masse au niveau de nos économies. Ce qui n'est pas encore le cas effectivement pour la Chine ou la Russie. Parce que ces puissances en fait amènent quelque part effectivement des entreprises qui peuvent venir gagner des parts de marché en Afrique, mais elles viennent. Elles font le travail, elles ne s'occupent pas de démocratie, elles ne s'occupent pas en fait de donner des injonctions aux différents États. Oui, la Chine se prononce rarement sur des questions de droits de l'homme, des mandats sur le continent. Ce n'est pas l'apanage donc de la Chine. Ils ne s'occupent pas véritablement de comment nos pays sont dirigés, ou à la limite, ils sont presque condescendants. Mais de ce point de vue-là, véritablement, il appartient aux États africains, aux peuples africains d'une manière générale, de voir véritablement où se situe effectivement notre avantage, mmh. Et véritablement aller dans le sens de poser les jalons de notre propre émergence. L'émergence du continent, on va le dire, possible grâce à ces deux puissances? Oui, l'émergence devrait d'abord être possible par rapport au capital humain, terme qu'il utilise très important, qu'il veut dire la revalorisation. Une fois, quand il nous a été demandé de pouvoir faire des apports en termes de recommandations, par rapport à cela, nous avons dit que, selon notre étude, nous étions tous tombés de connivence, qu'il est d'austérité. Il est assez important pour le continent africain de pouvoir concevoir une chose. Ça veut dire aller sur la revalorisation, sur ce qu'on appelle la modernisation de l'exploitation de ces ressources minières et naturelles, d'aller vers ce qu'on appelle l'éducation et la formation de ces jeunes qui constituent un potentiel humain très important. Maintenant, d'aller également dans une coopération qui devrait permettre au continent africain d'avoir la mise en place des grandes industries qui vont permettre le développement, parce que c'est très important, c'est un impact très direct entre l'industrialisation des matières premières et le progrès ou le développement de ce continent. Donc je crois que, dorénavant, l'esprit qu'il faut avoir dans la coopération serait plus un esprit, parce que moi, je ne prends pas la France. La France, ça a toujours une supercherie, je l'ai dit que... il faut le dire en termes de coopération, ça n'a rien à voir. Parce qu'une coopération qui se base sur une démocratie institutionnelle importée qui ne l'est pas, qui est toujours privilégiée, n'a rien à voir avec une coopération économique qui va vers le développement direct d'un continent. Ça n'a rien à voir. Et je crois que les États sont très conscients de ces enjeux, même si ils pensent quelque part qu'ils sont pris au dépourvu parce qu'ils ne peuvent pas s'étirer. La réalité, tout président, on va nous dire que entre la Chine et la Russie et la France, le choix est très clair, très clair. Et en parlant justement de ce choix, peut-on dire aujourd'hui que la politique économique russe en Afrique est de nature à favoriser un rapprochement avec la Chine qui adopte aussi une stratégie similaire? Oui, mais je le pense. Je pense que véritablement, c'est tout bénef pour les États africains. On va véritablement tirer le meilleur de ce qu'on peut véritablement avoir dans ces deux types de relations. Aussi bien la Chine que la Russie, effectivement, sont peut-être pourvoyeuses de richesses, il faut le dire, parce que de tout temps, la Russie a été souvent prise comme un pays qui ne vient donner que des armes et des céréales, on l'a toujours dit. On a vu qu'il y a quelque part un partage donc de données technologiques. Il y a véritablement un apport à d'autres niveaux. Ils interviennent dans le secteur minier en Guinée, un peu partout, en RDC et autres. Et en Centrafrique, c'est un exemple qu'on a évoqué. Et de ce point de vue-là, ces pays peuvent véritablement trouver beaucoup de choses. Maintenant, par rapport aussi à la Chine, il y a effectivement cette dynamique. Mais toujours est-il qu'il faut toujours revenir en fait vers l'idéal donc du développement de l'Afrique, comme il a été institué dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, faire en sorte que par nos propres ressources, par nos propres moyens,
nous puissions, avec un peu, bon, c'est vrai, l'aide au développement ne doit pas être quelque chose qui va s'éterniser. Mmh. Il faut s'affranchir de cela et véritablement aller vers véritablement l'émergence par nos propres moyens, même si, effectivement, il y a des puissances qui peuvent y contribuer fortement. Mmh. Et c'est aller dans le même sens que Diakhaté, hein, Abderrahim, c'est évidemment, c'est que vous avez, je veux reprendre cette expression que vous utilisez souvent, c'est les problèmes de l'Afrique pour des solutions africaines. Évidemment, on doit d'abord nous-mêmes penser à notre émergence avant de compter sur des partenaires, même si on sait qu'ils peuvent apporter, comme on l'a souligné hein, sur le plateau, une forme d'aide qui va permettre à ce continent d'émerger. Oui, c'est tout à fait là, monsieur Régis, vous avez dit encore avec beaucoup de brio que moi. Moi, je serais juste taquin pour dire que la Russie, à quelque part, essaie juste de faire un plagiat idéologique de la Chine. Parce que la Russie essaye maintenant de pouvoir changer des données. Avant, elle faisait ce qu'on appelle la vente de tout ce qui est les armements et tout ça. Et quand elle a su que cette fois-ci, ce n'est pas l'idéologie la mieux prônée, parce que la Chine, elle est venue à travers une idéologie plutôt soft power, par la révolution culturelle, en mettant en exergue ce qu'elle avait de bien, puis en véhiculant l'aspect culturel, elle est venue. Moi, je vous promets que ce qui a été plus révolutionnaire, c'est de voir la Russie qui essaie d'organiser, par exemple, les élections mises dans la... Quand j'avais vu ça, j'ai dit... Vous êtes beaucoup plus resté sur cet exemple. Non, mais il est très important de voir parce que c'est... Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Merci à Abdou Karim Diakhaté, analyste politique, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Abderrahim Omar, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.